De retour sur le plateau de Touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau a confié qu'il était de nouveau célibataire. Et il semble bien décidé à le rester. Mathieu Delormeau a fait son grand retour dans Touche pas à mon poste après plusieurs semaines d'absence, ce jeudi 27 avril. Il s'était expliqué sur son absence sur le plateau de TPMP People. J'ai tout lu. Que j'étais en dépression nerveuse, que j'étais en cure de désintox, j'ai lu il s'est suicidé, il s'est fâché avec Cyril, a-t-il observé. Avant de rétablir la vérité, tout va très bien avec Cyril. On s'est parlé hier. Cyril Hanouna avait également évoqué le sujet dans l'émission, hier, mercredi 26 avril. Il m'a écrit un très joli mot. Il faisait 25 lignes, j'ai lu que les trois premières, avait-il rapporté, amusé. Mathieu Delormeau est célibataire depuis un petit moment. Parmi les sujets traités dans l'émission ce jeudi 27 avril, l'animateur a évoqué avec ses chroniqueurs l'histoire de David, cet agriculteur de la nouvelle saison de l'amour et dans le pré qui n'a reçu aucun courrier de la part de prétendante. Il a immédiatement suggéré à Daniel Moreau d'écrire au jeune homme. Dans son élan, il a échangé avec les chroniqueurs sur leur statut amoureux. Et à sa grande surprise, Mathieu Delormeau lui a révélé qu'il n'était plus en couple. J'ai vécu une très belle histoire que vivent les gays, si est-ce à dire trois mois, a-t-il indiqué, révélant au passage que son idylle était terminée depuis un petit moment. Comme lui, Jean-Michel Maire et Anissa, la jeune chroniqueuse de l'émission, sont célibataires. Je ne cherche pas non plus. Si est-ce fini les couples, merci. Terminé, a-t-il signalé. Avant de ne dire plus sur cette résolution. Il y a un psy qui m'avait dit, le couple, si est-ce une deuxième entreprise. Tu rentres le soir, tu réattaques un nouveau métier. Ça casse les cellules, a-t-il conclu. Ce qui manque à Mathieu Delormeau chez son amoureux plus tard dans l'émission, Mathieu Delormeau a quand même reconnu que la cuisine de son ancien amoureux lui manquait. Maintenant quand je rentre le soir, si est-ce vide, a-t-il regretté. Heureusement, l'animateur peut désormais compter sur une femme de ménage et un cuisinier pour lui faciliter la vie. Ce dernier lui concocte des bons petits plats pour toute la semaine, ce qui a sidéré Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal. À lire aussi il m'a écrit un très joli mot, Cyril Hanouna fait une annonce sur le retour de Mathieu Delormeau dans TPMP.